Cyberpunk, la beauté. Comment on fait pour pas... Voilà, c'est bon. J'ai oublié comment on fait pour partir. Pouf, on recommence. Puis j'ai lagué, je recommence. Non, j'y crois pas. Mais Kanye West, Kanye West, qu'est-ce que tu fais dans mon miroir? J'essaie de faire une intro. Putain de merde. Mais c'est pas vrai. J'essaie de faire une intro, pourquoi t'insistes? Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue dans Cyberpunk avec Cyber Vili, le cyber détective. Matez-moi ces vêtements, ce goût vestimentaire irréprochable. Oh là 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 là. Sexy, séduisant, le seul homme qui n'a même pas besoin de sortir de chez lui pour caresser des chattes, Matza. Oh là 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 là. Adorable. Oh lui, il est trop mignon le poupée. Excellent. Bon, eh bien écoute, il est 13h30 du matin, Aéron. Oh là 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 là. C'est rare, hein. C'est rare qu'il y ait des temps comme ça sur Night City. Il fait beau aujourd'hui, hein. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mes grands-parents m'ont parlé d'un truc qui s'appelait le soleil. Moi, je sais pas de quoi il parlait, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Il ne pleut pas. Du coup, voter Perales. Ouais, bon, on sait ce que c'est devenu. Qu'est-ce que je peux enquêter, là? Pourquoi ça dit que je peux enquêter? Étrange graffiti. Ouais, non, mais bien sûr, on a déjà enquêté là-dessus, y a pas de souci. Et ils laissent traîner leur standard dehors. Mais ça va pas, monsieur. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas... Aujourd'hui, on continue l'histoire qu'on a bien évidemment oubliée, les quêtes et les criminels et tout le reste. Et apparemment, il y a eu des DLC qui sont sortis sur Cyberpunk. Enfin, les mecs, ils demandent pardon, si tu veux. Les mecs, ils demandent pardon pour la sortie PS3, si tu veux, PS4. Ah, il y a une mise à jour, je peux plus me téléporter. Malédiction. Bon, c'est pas grave. On va utiliser les systèmes de téléportation classiques qui existaient déjà dans le jeu. Là, voilà, voilà. Très bien. J'appelle un taxi depuis chez moi. Sans pitié, hein. Oui, bonjour, c'est le taxi. Vous êtes où? 29e étage. J'arrive. C'est efficace. Putain, le taxi. Voilà, t'as le taxi qui arrive. Bonjour, excusez-moi, c'est vous. Le bout de viande baisable. Tout à fait. Très bien, montez. Ouh là là, madame. Évoluer directement du diplodocus, hein. Ça se refuse rien, je vois. Très bien. Allons-y. Première chose à faire, aller récupérer ce graffiti qui ne se situe pas très loin, fort heureusement. Hop. Voilà. Quelques dizaines de mètres, centaines de mètres en vérité. Excellent. Une nouvelle voiture. On peut parler. Bonjour. Merci. Fort aimable. Fort aimable, fort aimable. Virage! Gros virage. Je sais pas vous, mais j'ai quand même l'impression d'avoir quelques saccades. Ouais, j'ai des micro-saccades. Je sais pas si c'est ma souris, si c'est le jeu ou si c'est quelque chose. Laissez-moi tenter quelque chose, je reviens. Oui! Ça a l'air de bien marcher, fantastique. Bon, la fluidité est revenue. Quel bonheur, quel plaisir. Alors c'est ça le graffiti, juste devant Compeki Plaza. Mazette, madame. Voyons voir. Et c'est... l'empereur. Ah oui, mais c'est l'empereur Dieu, si tu veux. D'accord. Ah ouais, 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 ouais. Ah, c'est le trône d'or, ça déconne, zéro. J'avoue, j'avoue. 11 cartes de tarot sur 100. Et maintenant, je suis terriblement curieux de savoir ce qu'il y a à Compeki Plaza, dans ce gros bâtiment, là. Laissez-moi essayer avec ma Merco. Enfin, c'est moins une Merco qu'une vieille Citroën, si tu veux. Il y a des panneaux solaires dessus. Apparemment, c'est pas pour les petites bites. Tant pis.
Bel essai de ma part, hein. Malheureusement, insuffisant. Voyons voir. Voiture. Là où on va, Marty, on n'a pas besoin de route. point. On s'en bat les couilles, hein. On s'en bat les couilles, ça va très très vite. Très bien. Donc, objectif, faire cette mission et ensuite essayer d'avancer une histoire principale. Il y a eu des DLC dans ce jeu. Excusez-moi, je ne vous les ai pas montrés. Mais apparemment, si je vais chez moi, j'étais chez moi, tant pis. Vili a reçu deux vestes qu'on peut mettre. Il y a une mission annexe pour récupérer une voiture qui a l'air toute pourrie. Je crois que c'est même celle que je conduisais là à l'instant. Un des trucs que j'ai oublié, je crois que c'est le changement d'apparence de Johnny Bravo. Ah bah j'ai rien. Très bien, bah heureux de le savoir. C'est le changement d'apparence de Kanye West. Keanu Reeves qui a une autre apparence alternative. Tu peux le changer de costume dans ton cerveau malade. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est un peu tristonné. Est-ce qu'on peut avoir de la radio avec ça? Un peu de futur. C'est du futur, ça? Oh, c'est le futur! Le futur! Bon, c'est pas le futur de la conduite, c'est sûr. Ça roule! Ça roule! Ça roule! Tout roule! Pardon, madame! Ah! Bon. Je suis pas sûr qu'elle soit saine, cette flotte. Enfin. Il y a ma veste qui me passe devant les yeux à chaque fois. Oh, un vieux trench à poids! Deux même. Du matos, un booster d'endurance, c'est tout. C'est tout, d'accord. Donc en fait... La veste Uniqlo, 300 litres d'eau. Les calculs sont pas bons, Kevin. Excusez-moi. Pour aller chercher tes vestes. Oh là. Oh là 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 là. Attends, fais voir. Pas mal. Par contre, je dois avouer, même sans la veste, regardez, il est tight. Oh là 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 là. Il est beau, hein, mon Vili. Vili, comme ça, il est imbloquable. Hein, mais je préfère mettre la grosse veste de détective par-dessus. Et t'as le choix entre les lunettes Men in Black, les lunettes d'aviateur, voilà. C'est quand t'es pas assez payé. Et les lunettes du futur, bien sûr, pour les détectives du futur. Sinon, ça ne ferait pas de sens. Pardon, excusez-moi, messieurs, pardon, désolé. Très bien, allons-y. Alors. Notre invité spécial ce soir est Oliver Hernandez, biologiste et professeur à la NCU. Je vous demande de l'accueillir. Alors, c'est le vrai... C'est le vrai framerate, hein. C'est pas moi qui ai bugué. Pour faire revenir des oiseaux à Night City. C'est exact. Depuis le vote de la loi sur l'extermination aviaire il y a près de 15 ans, nous avons assisté à la destruction de l'écosystème, à une croissance rapide de la population d'insectes. Quoi, c'est la Chine ? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 5 ans ? Excusez-moi, je ne vois pas vraiment. L'année de la première épidémie de grippe aviaire, qui a fait un total de 7000 morts. 7000 ? Ça va. Ensuite, il y a eu 59. Plus de 10 000 victimes innocentes. Hein ? Et encore 12 000 morts de plus en 60... Je suis bien d'accord, Ziggy, c'est une véritable tragédie. Mais nous devons comprendre que tout ceci aurait pu être évité si nous n'avions pas détruit l'habitat naturel des oiseaux. Nous avons ici une mère qui a perdu ses deux enfants en 50... Je vous en prie, levez-vous, Margot. Allez-y, professeur. Dites-lui en face. Dites-lui qu'elle est responsable de la mort de ses enfants. Quoi ? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je... Mesdames et messieurs, que choisiriez-vous ? Les gens ou bien les pigeons ? Ce n'est pas du tout la question. Si les oiseaux disparaissent, nous aussi... Aïe ! Ça suffit ! Mais dites-leur d'arrêter, voyons ! Aïe ! Mais c'est ridicule, arrêtez ça ! Aïe ! Vous avez de la chance de sortir d'ici vivant, espèce d'enfoiré ! Croyez-moi sur parole, Night City, Ziggy Q ne laissera rien vous arriver. Eh ben... C'est marrant parce que les gens pensent que c'est une parodie. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'on veut ce coup-ci? On veut conduire. Alors il pleut, on veut pas. Oh oui, non, attends. Chiant coyote, turbo. La coyote, je l'avais débloquée, fais voir. Coyote, coyote.
Petit. Là, voilà, ça c'est un bon... Bleh ! Mauvais coyote ! Méchant coyote ! Il a l'air désolé. Très bien. Excellent. Voyons. Ici, il y a des choses à faire. Book. Et là, il y aurait la quête. Ce qui nous permettrait de faire un combo. Et ça nous permettrait aussi d'aller voir la Herrera Outlaw. Parce que les deux m'intéressent. C'est au même endroit tous les deux. Donc, on peut faire un petit arrêt. On peut même faire un petit arrêt pour voir la Quadra Type 66. Et entrer dans le club Empathie. Suivre la quête. Pourquoi ce n'est pas le même chemin? Il y en a un qui dit c'est pas le même endroit. C'est étrange. On va suivre les rayons bleus. Hein. Let's go! T'entends ce saxophone? T'entends ce saxon sexe? Pardon? Ah, les bonnes vieilles conduites à la GTA, quel plaisir! Ça passe, ça passe. C'est comme s'il y avait trois voix. Oups. Un peu court. Je réapprends à conduire, hein. C'est un processus. Mais bon. La conduite ivre, c'est vraiment un art. C'est pas quelque chose auquel n'importe qui peut se prétendre du premier coup, tu vois. Faut boire et conduire depuis longtemps. WNS News, je suis Harry Fipper. Parfait. Un groupe terroriste se faisant passer pour un syndicat a été neutralisé. Ses représentants autoproclamés de la classe ouvrière de Night City ont tenté d'organiser une grève qui aurait pu causer des pertes financières de plusieurs millions. Oh les salauds! Attention, si vous croisez ces soi-disant syndicalistes, contactez immédiatement le NCPD ou encore les forces de sécurité privée. Partout Night City, de nombreux patients se présentent à l'hôpital. Ah c'est génial! Enfin, c'est génial. Non, c'est terrible. Oh, shit! C'est bon. Y'a rien. Ah, ça pique un peu, mais ça passe. Ok, allons-y. Voyons voir. Ah non, mes mods qui me permettaient d'avoir les trucs cinématiques style avec les flingues. Ah, on a tout perdu. Pénétrons. Enquêtons. On emploie des danseuses ici, pas des gagneuses, ni des poupées. Très bien. Écoutez, est-ce qu'elle... Bordel, putain. Proposer une cabine avec une Mais... danse privée ou une déesse hard. Je vous conseille les deux. Mais direct ! Direct, le mec, il s'énerve, hein ! Madame ? Ok, très bien. Trouvez l'organisme... attends. L'ordinateur central. Allez-y, du réseau. Je vous en prie. Bonjour. Pas si vite, mon petit gars. Bonjour. Les armes sont pas autorisées. C'est un endroit civilisé ici. Très bien. Oui. Voilà. Alors, c'était pas si compliqué. Bienvenue à l'Empathie. De rien, Nigo. Le mec laisse rentrer alors qu'il me reste encore ma bite. Arme de catégorie 4, mon gars. Allons-y. Non, mais laisse pas ces connards te forcer la main. T'inquiète. Tu vois, on doit se faire un réseau au sein du conseil municipal. Et après, tu sais... Ouais, je sais, mais c'est pas mon rayon. Je rappelle ton aide. Les mecs parlent du conseil municipal ici et les gens croient que c'est une parodie. Je trouve ça fantastique. Hop. Trouver l'ordinateur central. La vraie question c'est... Attends. Distraire les ennemis, non. Est-ce que... Non plus une conversation. Là il y a un miroir qui ne marche pas bien sûr. C'est très joli tout ceci mais le problème c'est que ça m'avance guère. Moi ce que je chercherais là ce serait une caméra de sécurité si possible. Bon, ping. D'accord. Il y a quand même une forte population glandue ici. Hein. Je peux commander? Non, je peux pas commander. Il
Il m'a vu d'où, lui? Bon, bah... Somme toute, c'est allé vite, hein. Fais voir. D'accord, ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est allé très très vite, hein. Je pense que les mecs sont complètement connectés au système. Les gars, ils savent, hein. C'est-à-dire, ils ont littéralement la couille gauche qui est attachée au système d'ouverture des portes. Du coup, dès que je triture la poignée, ça leur fait... Les mecs savent, hein. Ça va vite, hein. Ah, les jeux vidéo dans le futur. Ok, ça a l'air de gêner personne que je sois là. Difficile nous engage. On protégera comme les corpos protègent leurs biens. C'est moi qui te le dis. Adam a déjà un accord. Pas moins de 15 fois supérieur avec une perte minimale en termes de résolution. Et pour ceux qui seraient intéressés par la version premium, elle est équipée d'un implant de dents sensorielles intégré. Stylé ! De loin, le plus important, c'est que le TX-43 n'a aucun effet secondaire au niveau neural. Les vertiges et les migraines ne surviennent que lorsque vous êtes en mouvement. Oh là là ! Est-ce qu'ils vont pas inventer dans le futur quand même ? Essayons d'être discrets, essayons d'être intelligents. Pour l'instant, je me déplace gentiment et tranquillou. Voilà, pour l'instant, personne. Ah, c'est une zone hostile. Ah, bah oui. Ah, bah pardon. J'ai pas vu la petite barrière. Parce que, bien évidemment, dans le futur, quand tu outrepasses la micro-barrière en cherchant les chiottes, automatiquement, les mecs, ils ouvrent le feu. C'est... Ça déconne, zéro. Ah non, mais les gestes barrières, la barrière Covid. Bon, on va speeder. Ça a l'air de déranger personne. Ouais, c'était super. Jusqu'à ce qu'il se fasse pincer par les flics. Sérieux, on était assis à notre table, on mangeait quand ils ont débarqué pour lui passer les menottes et l'embarquer. C'était notre premier rendez-vous. Ça nous aide pas, ça. On a demandé ce que lui voulaient les flics. Très bien, très bien, très bien. Vous êtes un policier, vous? Non, ça c'est juste pour les cages. Les cages. L'arme, je... Ok, toi! Ce qui serait idéal, c'est que t'oublies. T'oublies et que t'aies la politesse de te laisser étrangler. Qu'est-ce qu'il me voit? Qu'est-ce qu'il m'a vu? D'accord, pas mal. Pas mal, pas mal. Je peux le hacker d'ici? Distraire les ennemis? Non. Lui, je peux l'assommer? Non, ce serait dommage. Surtout qu'on peut se permettre de se la jouer discretos. Comment t'as eu mon numéro, putain? Ouais? Bah t'es mort, c'est moi qui te le dis! Merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. C'est bon! Restons discrétieux! Discrétieux? Discrétieux! Fermez la porte! La discréciosité! S'il vous plaît! S'il vous plaît, papa, fermez la porte, très bien. Discrétieux, discrétieux. Discrétieux! Oh là! Ah merde! Ah bah oui! Mais discrétieux, discrétieux, mais je suis à poil! Attendez. Fais le tour du bâtiment si tu veux! Pardon, pardon, excusez-moi, pardon, merci, pardon. Excusez-moi, je cherchais les chiottes. La meilleure excuse. Hop là. Hey, papapalapin. Allô. C'était vraiment du grand art. Et entrez,
T'as installé ce qu'il te fallait et t'es ressorti comme si de rien n'était. Le contrat est bouclé. Portez bable. Eh ben génial, tout ceci s'est très bien passé. On peut même aller regarder la voiture qui est juste à côté. 60 mètres. Maintenant 325 mètres. Ah oui, bah forcément. Attends, elle est dans le parking juste derrière. On n'est pas obligé de la mettre en point. Surprise, va faire un tour à quoi? Va faire un tour au point de dépôt le plus proche. C'est du lourd qui t'attend. D'accord. Eh ben, décidément, les bas de caisse, ça frôle de plus en plus la route. Hein. La voiture tapis volant. Mais le pire, c'est qu'elle est ultra stylée, par contre. Hein. Elle pue un peu le style. Hein. Je crois que je vais craquer. Hein. 55 000 dollars. Ah, mais ça, c'est du low riding, hein, par contre. Hein. Eh ouais, ici on roule dans le futur. Fais voir, attends une seconde, La merde, la radio. Radio. Ben voilà. Voilà, ça c'est une voiture, ça on part ça. J'ai pété les phares. Ah non, regardez les phares, ils mettent du temps à s'allumer. C'est pur stylé. Attendez, du calme. Non, ta gueule. Regardez les phares. Quand t'allumes les phares, regarde. C'est comme dans FTL. Les armes se chargent. Les phares se chargent. Pur stylé par contre. Elle a une super gueule cette caisse. Elle a une super gueule. Hein. Du coup, attendez, je dois récupérer ma récompense, mais je dois aussi casser la gueule à tous ces malfrats. Ce serait idéal de s'en occuper d'abord. En tout cas, maintenant qu'il pleut et qu'on n'y voit rien, le jeu est beau. Hein. J'ai freiné. Oui, j'ai freiné pour prendre ce virage, je m'excuse. Je m'excuse auprès de la communauté des gamers. Très bien. Ok. Hop. Un, deux, trois. Et aucun qui regarde dans ma direction. Ça a l'air plutôt simple à gérer. Эп, чё сейчас было? Oui, forcément, excusez-moi, j'ai plus rien. C'est un peu la panique. Un couteau, parce qu'il faut que j'améliore mes lames. Ensuite, il fallait que j'améliore mes fusils d'assaut. Un fusil d'assaut, ça? Le SOR 22, c'est pas mal. Fusil d'assaut intelligent, non, juste fusil d'assaut. Non, c'est un fusil de précision, merde. J'ai que des fusils de précision. Là, le No Waki, fusil d'assaut, good enough. Et enfin, il fallait que j'améliore mes armes de poing. Le problème, c'est que si je prends le Bulia, c'est un revolver technique. Donc ça, par contre, ça améliore mes armes de poing, vu que c'est un pistolet tout à fait normal, si tu veux. Donc ça fera le taf. Et même, je peux me la péter avec un gros, voilà. Avec un gros module dessus, mais c'est juste pour le sexe. Et je peux pas mettre un zoom sur mon couteau. Si, attends, au moins des dégâts de 8, au moins des dégâts critiques de 10, au moins des chances d'afficher un coup critique de 6%. Osef, pour l'instant, Osef. Voilà. Et c'est comme ça qu'on maîtrise une situation impeccable. Oh, ce couteau. Et enfin, ce fusil d'assaut est très bien. Parfait. Bon. Et ben écoute, du coup, ça c'est réglé. Maintenant, on peut gérer eux qui sont juste à côté. Qui est très bien. Alors attends, voyons voir. Agissons intelligemment. Ping. 1, 2, 3, 4. Très bien.
Bon, bon, on peut les attaquer à l'ancienne si tu veux. Petit surmenage. Surcharge. Non, c'est pas lui. Ah bon, court-circuit, voilà. Zap. Eh, c'est ça, tirez-vous, tirez-vous. Ah bah voilà. Court-circuit, c'est pas mal ça. Zap. Surmenage. Zap. Oh là là, brutal ça quand ça arrive, c'est génial. Bonjour. Ah non, j'ai plus assez de... J'ai plus assez de points. Vite, vite, remonte, piratage. Là, il remonte. Zap. Ce burn-out. Bon écoute, à certains moments aussi, les méthodes marchent. Oh ah, putain. Abandonne. T'es déjà mort. La vache, il fait tellement de dégâts. Putain. Il m'a cassé la gueule. J'avais un couteau, j'avais tous les avantages, j'avais tout. J'avais tout. Il m'a bulli. J'ai tenté de faire des parades parfaites et tout. Allez. Je me suis fait bully. C'est pas grave. Ok, très bien. Plan B. Très bien. Plan B, plan B, plan B. Contrôle piratage. Alors, j'ai pas le futur du coup. Réduire résistance des ennemis. J'ai pas le futur cette semaine. J'ai 100. Donc, 1C7A, c'est pas mal. Après, est-ce qu'il y a un BD disponible? Un C, ok, merci, quand même. Voilà. Voilà, pardon. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, bonjour. Alors, on va commencer par lui. Zap. Clap. Oublié. Voilà, les vraies méthodes. Ah, te voilà. Te voilà, te voilà, te voilà. Zap. Voilà, quelle idée de ma part de vouloir aller dans un combat de flingue ou couteau, si tu veux. Vraiment une idée à la con. Ok, très bien. Tout va bien, madame? Tout a l'air de bien aller, très bien. Vidons tout ce qu'il y a aussi autour, il n'y a pas de raison. Voilà, pas de raison. Ok. Tant pis, tant pis. Hein. Tant pis, tant mieux, comme on dit dans le métier. Crime signé, couper les vivres. Se rendre au parking de la corporation, qui est juste à côté. Une agression en cours. Donc ça, et contrat manque d'empathie. Ouais, aussi, très bien. Ah, mais aujourd'hui, c'est la justice, hein. En même temps, c'est la justice qui est difficile pour moi parce que j'ai pas de sniper. D'habitude, je joue sniper. J'aime beaucoup les snipers. Ou fusil à pompe. Fusil à pompe, c'est bien. Quand t'es proche et que tu stresses, tu vises, tu tires, il se passe des choses. Là, il me demande de jouer intelligemment si je veux gagner des points. Pourquoi il surveille le fait? Alors, déjà ping. Très bien. Let's have some fun. Je suis dans le système. Voyons voir. Ce qu'il nous faut, c'est BD55-7A. BD. BD. Putain, y'a pas BD55. Alors attends, BD-E9-BD serait pas mal. BD-E9-BD. Est-ce qu'il y aurait un autre 55 de disponible? Putain. Il y en a, mais il m'arrange pas si tu veux. Bon, mais c'est pas arrangeant du tout. BD. BD-E9. Bonjour. Parce qu'il y a que 4 55. Enfin, 6 55 et ils sont tous à gauche. Oh, il n'y a pas de BD qui les aligne. Donc ça va être obligé d'être un BD vertical. Donc si je fais BD, E9, BD. Ah, BD, E9, BD, BD, 55, 7. Ah, voilà, mes excuses. Un ordinateur aurait compris ça en quelques secondes. Hein. C'est difficile sans le cheat, hein, c'est sûr. Voilà, très bien. Donc lui par exemple, Boop.
Faut mourir. Boop. Ah bien. Lui aussi, là. Boop. Il s'en est remis. Boop. Voilà, très bien. Ensuite, appareil suivant. Donc lui voit son pote mourir, elle s'inquiète pas. Mais c'est un robot, il s'en bat les couilles. Oups. Oups. Un peu trop efficace, si vous voulez mon avis, c'est pas grave. Un peu de ping, histoire de savoir quand même. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Effacement de mémoire, d'accord. Il sait même plus pourquoi il existe ou qui il est, lui, c'est super. Ah mais j'ai plus de points. On attend que ça remonte. Dans quelques instants. Voilà, très bien. Court-circuit. Ça l'a tué, très bien. 1, 2, 3 enculés. Avec ce mec. Ce mec est un hacker. Ah, le problème du coup, s'il me remarque, c'est qu'il va s'énerver très très vite. Apparemment, c'est tout ce qu'il y a ici. Hein. Ouais, c'est tout ce qu'il y a ici. Il y a lui encore qui bouge un peu, mais on l'abattra. C'est pas un souci. Je peux mettre la merde avec cette voiture pour le lol. Et ça, c'est quoi? C'est un point d'accès, d'accord, très bien. Et ça, lancer une surcharge. J'ignore si ce sera vraiment efficace, mais essayons. Ça a l'air d'avoir tué absolument personne, quel dommage. Bon, lui, au moins, il est out. Lui, il a fondu ou pas? Non, il a tenu, hein. Il a tenu. Le mec, il a des bons nerfs quand même. Il a des bons nerfs. J'aime bien comme les mecs, ils voient leurs potes tomber les uns après les autres en époque cyberpunk et ils comprennent pas, ils se font hacker si tu veux. Tu peux pas le faire péter ça? C'est dommage. Par contre, le mec. Solide, hein? Solide sur les appuis. Et j'ai toujours pas la mémoire suffisante, hein? Oh la vache! Le mec, il me force à contracter les muscles cérébraux. Hein. Big brain énergie. Hein. Allez. Là, quand même. Merci. Enfin, on va réussir à faire quelque chose. Et enfin, lui. Court-circuit, j'ai pas le temps. Il faut attendre encore une demi-seconde. Voilà, très bien. Ça, par contre, c'est un robot. Il est mort. C'est cash. Combien j'ai de piles? Juste assez. Encore un tout petit peu pour un petit redémarrage synaptique, là. Faut attendre quelques instants. Ouh, il a lâché du légendaire. C'est bien, ça. On aime ça. Oh là là, ces lunettes! Lunettes pure stylées. Hein. Allez, petit critique. Zap! Putain, il est pas mort. Hein. Donc le mec est un être honneur. Et ne comprend rien à sa vie. Hein. Là. Eh bon! Ouh! Très bien, plus qu'à... Alors on regarde bien à gauche et à droite avant de traverser, histoire de pas mourir comme un caca. Parce que ça, c'est une mort à la Jojo's Bizarre Adventure, si tu veux. Alors on leur donne des petits coups de couteau au sol, on économise, ça fait augmenter notre capacité d'armes aussi. Il y a beaucoup de véhicules ici, beaucoup de choses qui se promènent. Ok, très bien. Bon, on va pas se poser de questions. C'est clairement le futur. Vous, pour transporter trop de choses. Ah non! Oh non, t'es pas sérieux! Mon mode, l'inventaire, la liberté! Oh là, par contre, petit Shingen 415, pas mal du tout ça. Satara, ça c'est un crusher automatique, on peut le détruire. Fusil d'assaut intelligent, on n'en a pas besoin. Le build, je garde. Ça, c'est un autre. Une mitraillette intelligente. Mais ça aussi, c'est une mitraillette intelligente. On verra laquelle a la meilleure apparence. Écoute, de toute façon, il n'y a pas de raison. Et le Ajax. Ajax nettoie toujours plus profond. Voilà, pas de souci. Ok, où en étais-je? Oui. Il faut maintenant monter à l'étage de ce parking. Comment on monte à l'étage du parking? On suit la route que suivraient les voitures. Voilà, parfait. Keep it safe. Ouais. Vu les flics que j'ai rencontrés dans la zone. Zone hostile.
Il est hostile, lui. Il était hostile. Il était hostile et il m'a mal regardé. Il m'a parlé mal. Ça, par contre, c'est gratuit. Ça aussi, c'est gratuit. Je sais que c'est toujours du matos de soins et médical et tout ça, et que ça n'a pas grave de valeur, mais c'est toujours utile de le récupérer. Ça, par contre, c'est gratuit. D'accord, tout est gratuit ici, apparemment. Un autre Ajax. Des choses. Par acquis de conscience. Par acquis de conscience. Très bien. Ok, donc désactiver ça. Voilà, ça fait péter mes points d'ingénierie. Et j'ai pas trouvé d'autre moyen de faire monter les points d'ingénierie, brave Jean. Je vais être sincère. Les points de craft, à la rigueur, il suffit juste de crafter plein de trucs. Mais les points d'ingénierie, et on me dit que c'est en bourrant les grenades. Le problème, c'est que les grenades... c'est pas là, si tu veux. Grenades, c'est pas là. Donc en fait, on en est réduit. Voilà, désactivé. En plus, ça fait monter grave la barre. Hein. Ah, c'est New World all over again. Putain, quel enfer. Voilà. Et je sais plus où étaient les autres. Bon, tant pis. Mais oui, si les gens savent comment on fait monter la capacité ingénierie, parce que fabrication, c'est assez explicite, si tu veux. Mais ingénierie aussi, on dit les armes techniques. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'armes techniques pures. C'est lié à un flingue, une mitraillette ou autre chose. Donc, j'ignore si ça fait monter ça. Enfin. Je me plains, mais en vrai... Oh non ! Sortez ! Sortez-vous agressé, sortez ! Bon bah, clairement, je l'ai agressé un peu trop. Clairement, je l'ai agressé un chouïa. Juste une goutte. Une gouttelette. C'était la goutte de trop. Dites-moi que c'est destructible, Dieu merci. Petit virage large. Voilà, parfait. Ah, je l'ai molesté juste ce qu'il fallait. Hein. Très bon, merci. Dieu merci, ce poteau a sauvé le civil. La route est à moi, je paie assez d'impôts pour ça. Très bien. Vendre, non. Écoutez, récompense. Que j'ai gagné 3000 balles et juste 3000 balles et un peu d'XP, c'est quand même juteux. Mission secondaire, petite faveur aléatoire, là il y a un vendeur d'armes, là il y a un truc de cire, plein de choses à faire ici. Hein. Mission secondaire aussi, là il y a une autre véhicule, le Villefort Columbus, ça va être encore un truc fumé du fion. Je sens. Mais voyons voir, attendez, ouvrir le journal, mission principale, Disaster Peace et Gimme Danger. Camionnette de Judy et Takemura. D'un autre côté, je suis très tenté d'aller voir Takemura. De l'autre côté, Disaster Peace, il y a Judith qui m'avait demandé de l'aide il y a 10 000 ans. Ah oui. Ah oui, attends. Attends, elle m'avait pas demandé de l'aide du genre... c'était urgent. Conduite orgasmique. Personne n'a jamais reçu Attends, mais j'ai une voiture gratuite ? Une voiture gratuite ? Mais gratuit, c'est moins cher que payant. Mais oui, tout de suite. À moi ? Je peux pas. À moi ? Moi, je peux. Merci, madame. Ils sont tellement polis, ces gens. Ah, c'est le code. JVC, jeuxvideo.com, incroyable. Et vivement que je réinstalle les modes, brave Jean. Voilà. Parce que j'avoue que les téléportations instantanées aux endroits où tu veux ou autre, c'est quand même un peu confort. Hein. C'est de la triche, ouais, mais c'est confort à donf.
Ah d'accord, c'est la vraie station de train, très bien. J'ai trouvé la vraie station de train et pas juste un arrêt de bus pourrave. Excellent. Excellent, excellent. Et il a toujours pas sauvé Evelyn Parker. Il faut que je sauve Evelyn. J'ai rien suivi. Je pense que c'est quoi Cyberpunk, c'est comme dans la vraie vie. J'ai jamais répondu à mes mails, si tu veux. Il va falloir que je le fasse à un moment. Il va falloir que je le fasse. Ah oui, mais du coup, j'ai plus le. Est-ce que j'ai toujours. Est-ce que j'ai toujours. Ah oui, c'est bon. Bon, ça veut dire qu'ils y sont. Excellent. Alors, c'est pas celui que je voulais. Ah oui. Ah, parfait. Le Quidditch, c'est violence, tu veux. Let's go. Le Quidditch à travers les âges. Go les Shudley. Le chat de garage. Alors. Oh, qu'elle est belle! Montez dans la voiture. Ah merde, le drone. Attendez. Oh! Adieu, volaille! Elle est merveilleuse, hein. Oh, regarde la gueule. Oh là 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 là, le poder. Oh là 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 là. Oh. Ah, elle avale les kilomètres, hein, à une vitesse, mon gars, des kilomètres. Crime signalé? Mais c'est vachement loin. Ça conduit, ça conduit. Allez. 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 Oh non. C'est l'océan de merde. Bon. Allez. Allez. Noyé par des frigos. Oups. Mode amical. Bonjour. Si vous croyez que c'est sa manière de me dire bonjour. Putain. Pas des mines là par terre. Très bien. Ok. C'est marrant parce que quand j'approche, il y a des objets qui tombent au sol. J'ai l'impression que la gestion de la gravité dans ce jeu est un peu à la chiasse. Il est mort ? Ça a l'air tragique. Fais voir. D'accord. Donc les mecs se sont tués comme des débiles. Ok. Très bien, très bien. Et là. Je peux la pirater ou pas? Je peux pas la pirater. Bon. V, je sais que vous avez l'impression d'aider, mais il faut que vous arrêtiez, sinon les choses, on va le tourner. Au revoir, V, je vous en prie, laissez-nous, vous en avez déjà assez fait. Vous avez été bloqué. Mais c'est terrible.
et c'est Perales. C'est pas Evelyn Parker. Elisabeth Perales. Elle m'a bloqué. Merde, ça veut dire que j'ai perdu la quête? Je sais pas ce qui s'est passé. Bon bah, je me suis bloqué. Ce sont les choses qui arrivent. Evelyn Parker. Allô, vous êtes là? Ah, ça j'étais indisponible pour le moment. Très bien. Bon bah, tant pis. Répondre, ça dit. Hein. Par contre, j'ai rien de... Enterrement de scorpion, très bien, la petite cérémonie, pas de soucis. Panam Palmer, plan navire, retrouve au sunset, ça c'est fait. Je préfère encore la compagnie de cet entêté, tu vois, qui je veux parler. Enfin, je crois qu'il s'est un peu détendu. Il commence à se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'être le seul à exprimer autour du feu de camp. Ça nous fera du bien à tous. T'avais raison, V, ça a fait du bien de retrouver les siens. À NC, je me sentais plus seul que je l'ai jamais été. T'essaies de me rendre jaloux, hein. T'as pas tort en ce qui concerne Night City. Au moins, vous êtes tous ensemble, je vais pas te mentir, c'est tentant. Ça n'a jamais été mon truc, les réunions de famille, mais en tout cas, je suis content que vous soyez tous contents. Ouais, non, mais. On lui met la pression ou. On lui met la pression. T'essaies de me rendre jaloux, hein. Vas-y, hein. Tu parles de ton mec. Pas de réponse. Putain, elle me ghost. Quel enfer. Dakota Smith, qui est cette femme? Je crois que c'est une femme qui me donnait plein de missions. Ta voiture est arrivée, drone disparu, t'es qui disparu, terrain branlant, mec dans la panade, dernière promesse. Très bien. Wakako, alors Wakako c'est la vieille, on l'aime bien, donc elle m'a filé plein de quêtes aussi, c'est fantastique. Très bien. Colis. Quand tu seras sur place, ouvre la trappe dans le mur, le colis sera à l'intérieur. Essaie juste de faire ça discrètement, c'est un bon point de dépôt, j'ai pas envie qu'il soit compromis. Premios, t'inquiète. GG, well played. Voilà. Victor Vector. Salut V, j'y pense, tu peux pas commencer ta carrière dans la cour d'écran avec un pauvre t-shirt tout pourri. Le vent souffle bien plus fort au sommet du monde. Les vieux de la veille comme moi détestent que les jeunes prennent foi. J'ai laissé quelques fripes dans ta cage, ton appart. Essaye-les, ça devrait t'aller comme un grand. Merde, Vix, je te dois déjà un million d'édits. Ah oui, c'est le toubib. Je peux pas accepter un nouveau cadeau. Ah merci, Vix, pas moi qui vais refuser des fringues gratos. Ah, je peux pas accepter un nouveau cadeau comme ça, vieux. Déjà, tu me mets des yeux bioniques. Un nouveau cadeau, va pas t'imaginer que les Kiroji étaient offerts. De toute façon, qui je pourrais donner ces fringues? C'est pas pour le style de Misty et ça. C'est pas le style de Misty et ça fait un bail que j'ai renoncé à porter ça. Très bien, fort aimable. Voiture à vendre. Très bien, donc ça c'est cool. Edino Dinovic. Très bien, donc ça c'est cool. De la main, donc y a rien du tout. Parfait. Bon, bah je crois que j'ai fait tous mes mails là. Premio, t'inquiète. Y a Wakako qui me dit qu'il reste encore un message. Quel message? Elle me met la pression. Mais la pression, la vieille. Tant pis. C'est pas grave. Bon, et bah, je suis perdu au milieu de nulle part, finalement. Hein. Ouvrir la porte du bunker souterrain. Bref, j'espère que t'en auras l'usage. Comme on dit, le style fait tout. Fort aimable. Allez, voilà. 55 7ABD. Donc ça c'est rentable. 1C 55 55. C'est possible ça? Non. 1C 55 55. Impeccable. Ah! Très bien. Infroviseur militaire modifié illégalement! Excellent, excellent, excellent. Vous portez trop de choses par contre. Qu'est-ce que j'ai pris de trop? Une arme, je pense. Hein. Comme d'hab, hein, c'est toujours les armes qui pèsent le pire. Fais ça par poids, fais voir. Ouais, c'est Scoper Head là, qui pèse 10 000 tonnes, 10 milliards de kilos. Pareil pour Stajax. Ce pistolet, il me sert à rien que. Ok, très bien. Et bah parfait. Et côté couteau, j'ai récupéré des trucs? Non, j'ai deux dildos et puis c'est marre. Super. Par contre, j'ai récupéré une visière! Oh là 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 là, c'est encore plus le futur! Oh là là, ce futur infini. Ce futur qui ne cesse jamais. Aucun regret. Voyons voir. Utilisez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le net, rien du tout. Pardon. Très bien. Mais juste une meuf morte, lancée sur charge, ce serait un peu cruel. Mais bon. Je pense que cette quête est faite. Ok, est-ce qu'on pourrait tenter
J'ai pas envie de faire la grosse quête de Takemura. Une petite mission annexe, ce serait pas mal. The Hunt, suivre la mission. Ah oui, le flic! Mais oui! Mais oui, mais attends, regardons. S'asseoir et attendre Bill Jablonski, je sais pas ce que c'est. Les graffitis, on s'en fout. Stadium Love, on s'en bat les couilles. Épistrophie. On pourrait trouver la voiture dépressive, ce serait bien. Ce serait bien de finir les voitures dépressives. Parler à Pépé, rejoindre Kirk à El Coyote Rocho, se rendre au club des Animals, aller se battre à Arroyo, ça c'est bien. Trouver et neutraliser les cyberpsychos, ça on est plutôt pas mal. Vaincre tous les adversaires pour accéder au dernier round, dans son sens, on s'en fout. Mais j'avoue que... rejoindre notre ami El Flicas... Ah voilà. Rejoindre notre ami El Flicas, ça nous ferait du bien. Déjà, réussir à rejoindre ça... Notre bulletin mondial du jour est terminé. Ça avance pas. Merci d'avoir choisi N54 News. Bon, le véhicule ne marche pas. Avancez, reculez, j'y arrive. Accélère. Recule, accélère. Recule, accélère, ça marche pas. D'accord. Essayez de me rejoindre. Ok. Essayez de me rejoindre, plus, mieux. Est-ce que c'est parce que je suis trop proche de ce truc, c'est ce truc n'autorise pas les voitures? Et est-ce que c'est parce que si ça c'est trop haut dans le ciel? Accélère! Putain, ça marche pas! Je vous jure, ça marche pas! Le Quidditch qui trahit! Bon. Pas de panique. Pas de panique. Ça marche. Ok. Très bien. Bon bah plus que... À travers l'océan de merde. Voilà. C'est juste de réussir à contourner l'océan de caca. J'ai bloqué la caisse à mort. Je vous jure, je fais ce que je peux. Ça roule, très bien. Enfin, on roule. Eh ben putain. Oh, ça roule un peu trop. Non mais, je finirai à pied. C'était une erreur. Ça roulait too much. Le mec m'a vu. Le mec m'a vu, il fait demi-tour direct. Et là, non, non, je vais changer de trottoir si ça vous dérange pas, monsieur. Mec, t'es là, ouais, non. Non. La réponse est non. Ah putain. Ah, mais quelque part je le comprends. Quelque part je le comprends, je suis assez possédé quand même. Esquive, j'ai. Ah. Merci beaucoup. Belle tentative d'esquive de ma part, malheureusement, ça n'a rien donné. Oh, la passion du cyber-Christ! Tellement stylé. Là. Fouh! Eh ben! Laisse-moi juste enlever le chapeau. Bon, eh ben c'est là. Tic tac, tic tac, tic tac. Je suis content d'avoir attendu 48 heures ici. C'est pas comme si c'était urgent. C'est pas comme si j'allais mourir dans 3 semaines alors.
monter dans la voiture de... Excusez-moi, messieurs, dames. Monter dans la voiture de Ryder. Hey, salut. Est-ce que ça va bien? J'ai connu mieux. Bien ou bien, wesh wesh? Je sais. Ça saute sur mon yeux. C'est... une poubelle honnête. Jolie caisse. Elle est neuve? Non. Pas d'humeur à discuter, on dirait. Désolé. Et du coup, Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avais besoin de parler à quelqu'un. Hein? Regarde d'abord cette arme. Qu'est-ce que... Bonjour, je suis Harry Figbal. Vous regardez WNS News. Encore des politiciens morts? Regarde, c'est toi. A mené le NCPD sur les traces d'un dangereux ravisseur et meurtrier. L'incident s'est produit à l'intersection de la 7e et la 15e avenue. La vidéo a été filmée sur place par la police. Désolé, on n'entend rien, je suis d'accord. Peter Pan, c'est une vieille affaire? T'étais à sa recherche? Non, j'avais jamais entendu parler de lui. C'est quoi le problème s'ils l'ont chopé? Mon neveu, Randy, il a disparu il y a pas longtemps. Ah! Et sur ce que tu viens de voir, le gamin portait les chaussures de Randy. Oh merde! Tu sais autre chose? Sur la disparition de Randy? On s'entend pas très bien, ma sœur et moi. Je sais pas grand chose. Mais j'aurais voulu être là pour elle, quand elle avait besoin de moi. Ils se sont dit que t'étais trop impliqué? Ils ont pas voulu te mettre sur l'enquête? Ordonnance restrictive. Interdiction de m'en mêler. L'enquête a été confiée à Gonagall, un vrai branleur. Il a pas avancé d'un pouce depuis. Ah. Ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve ça pue, hein. Et puis, j'aime bien quand on sort, qu'on fait des descentes et qu'on bat des mecs en toute légalité, donc... Je refuserais de lâcher l'affaire. Je sais. C'est pour ça que je te demande ton aide. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Impossible d'interroger le type, c'est un légume, mais... On peut regarder ses rêves. Attends, ses rêves? T'as bien entendu. Viens, je t'expliquerai en chemin. Mec, c'est risqué ce que tu fais. Tu veux pas entrer dans les rêves de quelqu'un d'autre? Bon. C'est une procédure expérimentale, mais elle donne déjà des résultats. Ils enregistrent des rêves qu'on peut revoir comme des déesses. T'as accès à ces rêves? Pas encore, mais ils les gardent dans un labo. C'est là qu'on va. Ah, c'est pour ça que t'as besoin de moi. Pour avoir un alibi en cas d'activité illégale, tu peux dire « Non mais regardez, c'est juste ce gars, il a fait n'importe quoi et les flics, voilà, oui, oui, on a vu son casier, c'est crédible. » Non mais je comprends et je respecte, hein, t'as choisi la bonne personne. Pas la bonne personne pour faire ça discrètement, mais la bonne personne. Ok. T'as pris un rendez-vous? Pas vraiment. On va entrer ensemble, mais... Pas par la grande porte. Ah, on va enfreindre la loi? On va trouver un autre moyen d'entrée et puis se tirer vite fait. Je suis jamais venu ici. Alors je vais avoir besoin de ton aide. Ouais, ouais, je vois, je vois. Voyons voir. Juste une porte fermée. Juste un gars musculeux. Je peux pas voir ses. Je peux pas voir ses antécédents, il est protégé.
Faut un moyen d'entrer dans ce laboratoire à la con. Attends, avant. Merde. Ah, tant pis, je voulais voir si on pouvait passer par-dessus, mais tant pis. Oui, bah, facile. 0, 0, 0, 0. Ça marche à tous les coups. Et si jamais ça foire. 1, 1, 1, 1. Et si jamais ça foire. 0, 1, 2, 3, 4. Le labo est en plein audit. Alors t'inquiète pas si tu fais du bruit. Ouh. On va la trouver comment, cette danse sensorielle? Essaie de trouver la pièce où ils éditent les rêves des enfants autistes. Eh, hey, oublie pas. Le vrai nom de Peter Pan, c'est Anthony Harris. Alors, oui, je te remercie, c'est une très bonne information, mais j'ai beaucoup de questions subitement. Bon. Moi, je pense qu'ils prennent les rêves des enfants autistes parce que c'est les seuls rêves qui sont en HD. Qui stocke les DS. Alors, c'est peut-être pas ici qui stocke les DS, mais c'est là qui stocke les beaux gosses. Oh là 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 là. Sincèrement, je sais pas toi, mais on se régale. Impossible d'entrer. Oh. Très bien. Hey, chute pour femme. J'ai toujours voulu explorer. L'endroit est mystérieux, mystique. C'est juste des chiottes, très bien. Je peux même pas analyser ces PC. Ces PC sont des faux. C'est juste du papier collé sur... J'ai trouvé un éclat, mais il est vierge. Continue de chercher. Mais il fait vraiment une enquête pendant que je regarde pas, en fait. Merde. Prise de contrôle. Ouais. Conditionnement par des méthodes d'utilisation d'imagerie cérébrale. Ah! Ça démontre une réduction progressive du volume du cerveau, mais une tuméfaction du système ventriculaire et une augmentation du volume de fluide cérébrospinal produit chez les personnes souffrant de cyberpsychose. D'autres études ont noté des différences en degré de diminution des cellules du nerf cortical entre des patients atteints de cyberpsychose en phase 1 et rationnel. D'accord. Ce qui permet de conclure que le conditionnement par danse sensorielle a un effet neuroprotecteur. Ah! D'accord. Et enfin, liste de nous inspirant fréquemment la crainte, 4, 13 et 66, c'est officiellement élargi pour accueillir le nombre 91. Ah bon? À cause de la tétraphobie. Très bien. Donc 91, c'est terrifiant. Very well. C'est bien, ça m'aide à pirater. Heures supplémentaires volontaires versus obligatoires, très bien. Les heures supplémentaires obligatoires, ça rend le futur. Hein. La merde. Sans doute là-dedans. Hein. Nouvel éclat, anatomie d'une catastrophe. Non. Est-ce que ça change quoi que ce soit? Fichier. Ah non, c'est les... Pardon, excusez-moi, c'est les mêmes... C'est les mêmes données, c'est les mêmes éclats, c'est les mêmes documents. Comment se séparer pour un audit? Se préparer pour un audit. Okay, très bien. Pas grand-chose ici. Hein. Pas grand-chose. Docteur K.O. et Radon. C'est stylé. Sayonara Station. Les chroniques de Titania. Oh, c'est joli. C'est une console de musique. Très bien. Oui. Excusez-moi. Ils ont deux portes.
deux bornes d'arcade avec Command & Conquer Red Alert 2 sur arcade. C'est le futur. Ah. Hey River, je crois que j'ai trouvé. J'ai fouillé dans les tiroirs. Quelque chose. J'ai pas fouillé encore. Dans les tiroirs. Anthony Harris, regardons dans ces tiroirs. Pardon. Et Vili, il dit quoi? River, pourquoi t'as pas simplement demandé à un gardien de t'ouvrir la porte? Je peux pas risquer de me prendre un blâme pour avoir fourré mon nez dans l'enquête d'un autre. Yawen! Qu'est-ce que tu fais là? T'as été renvoyé de la police? Suspendu, c'est tout. Elle voulait dire quoi, là? Il ne vous a rien dit. Yawen, s'il te plaît, écoute-moi. Tu n'as pas déjà assez de problèmes? Harris a kidnappé mon neveu. J'en suis désolée. Mais nous stockons des preuves ici. Il y a des protocoles très stricts. Il a une veste en fourrure! Il se moque de tes protocoles, femme! Des protocoles? C'est la vie de son neveu qui est en jeu, là. La vie d'un enfant. La police a déjà ouvert une enquête. Partez, s'il te plaît. Partez, s'il te plaît. Allez, tout de suite. Jamais. On peut pas partir sans les rêves de Peter Pan. Je ne le répéterai pas. Dehors. Bordel, Yawen. Pour qui tu te prends? Ton premier examen à l'école de médecine, tu t'en souviens? Tu sais, celui que t'as réussi haut la main. Où ça sent les dossiers? T'as pas pu l'oublier. Les toilettes des dames ont brûlé. Il a fallu évacuer tout le monde pendant 2 heures. J'en reviens pas, tu me ressortes cette histoire. Je ne veux plus jamais vous revoir ici. Surtout toi. Vous ne le connaissez pas bien, n'est-ce pas? Ce type est une ordure. Monsieur, voyez raison, s'il vous plaît. Ce type est une ordure. Écoutez, madame, j'ai un passif, mais je vais réserver mon jugement pour cette fois. On est amis, River et moi. On n'a encore jamais laissé tomber. Moi aussi, je nous croyais amis. C'est pour ça que vous refusez de l'aider. Book. La déesse des rêves d'Aris, elle est où? Il ne rêve pas. Comment ça? Une balle a endommagé son cortex cérébral. On ne capte que des fragments. Des envies dissonantes. Ah! Ben voilà! J'aimerais... Et c'est la stimulation audiovisuelle. Mais il n'est pas autiste. Vous pouvez atteindre les enfants avec leurs chansons ou leurs films préférés. Ça vaut le coup d'essayer. Je vois très bien la similitude. La stimulation de l'hypothalamus et la production hormonale. Ouais, c'est ça, ouais. Les chaussures d'hippopotame. Mais Harris n'est pas un enfant. Je n'ai jamais tenté cette procédure sur un adulte. Oh, tu sais, un adulte, c'est juste un enfant qui se demande où est-ce, comment il est arrivé là, si tu veux. Où est-ce que ça a mal tourné? Il y a une raison à ça. C'est parce que, contrairement à River, j'ai étudié la médecine et les neurosciences. Je ne me suis pas documenté en lisant par-dessus l'épaule de quelqu'un dans le métro. Ouais, par contre, clairement, t'as jamais lu un magazine de mode, hein. Parce que les crocs... On peut essayer. Nous ne savons même pas ce qu'il préfère. Je trouverai quelque chose. Ça veut dire que tu veux bien essayer? Des nichons. Allez-vous-en. Je vais vous ouvrir la porte principale. En route, V. Je sais parfaitement par où commencer. Essayez des nichons. Généralement, ça marche pour tout le monde, ça, en fait. Même s'il est gay, ça marche. Hein. Les études l'ont prouvé. Hein. Les nichons, c'est bien. Tant que j'y suis, vous savez quoi sur les biopuces? La relique d'Arasaka en particulier? Eh bien, elle sert à stocker un engramme neural. Pardon. C'est comme une copie de la mémoire et de la personnalité de quelqu'un. Oui, ça je le sais. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe si l'engramme de la puce écrase celui de son porteur. Écrasé? Je ne sais même pas si c'est possible. Pourquoi cette question? Non, pour rien. C'est pas important, merci. Pourquoi cette question? Pour vérifier que t'es bien abonné à un paquet de céréales! Voilà. Parce que c'est là-dedans que t'as trouvé ton diplôme!
Maudit sois-tu, esclave de Nesquik. Ah, misère. Alors, on tournait la voiture de River, mais on n'a pas réussi du coup à... Attendez, parce que j'ai pas fini... Non, ça c'était le machin. J'ai pas fini de commettre des crimes, moi, ici. Excusez-moi. Je sors, hein. Traitement de l'autisme. Oui. Oui. Et patient a été transporté 18 000... Ah, d'accord, intéressant. Prise en charge rapide, cas de réveil du patient. D'accord. Ok, excellent. Oui, pardon, madame. Je suis autiste. Du coup, je cours n'importe comment. T'as la cote avec les flics. Fais juste gaffe à pas devenir son petit chien-chien au final. Quoi ? River est un type bien. Bien, pour un flic. Les flics sont pas tous des connards. Les rocker boys sont pas tous des trouducs narcissiques. Je sais pas, V, t'as déjà rencontré un rocker boy qui collait pas à cette description ? Honnêtement, non. Rick ! Tout va bien. C'est rien, c'est la ville. C'est rien, c'est la street. Oh, il m'a même laissé la portière ouverte. Trop aimable. Bon. Bah... Ok, je t'écoute. On t'a viré de la police, alors? Non, suspendu. La mort du maire, c'était une affaire qui puait. L'enquête a été enterrée, alors... J'ai protesté. Pas la peine de te demander comment tu te sens, hein? Non. C'est juste que... J'ai du mal à en parler quand j'ai un souci. Je comprends. Tu peux quand même me dire où on va? Chez Joss. La mère de Randy. Elle croit qu'il a juste fugué. Pour l'instant, on garde cette histoire d'enlèvement entre nous. Ah! T'as rien dit à sa daronne? Le père de Randy, il est où? Il s'est fait tuer il y a quelques années. Guerre des gangs. Ah, c'est rien, ça, c'est la street. Le père modèle. Joss s'est retrouvé toute seule avec trois gamins. Mais c'est une coriace. Ah bah pour avoir eu trois gamins, déjà, oui, il faut. Et Tu peux me dire pourquoi on cherche pas plutôt l'appart d'Harris? C'est une maison. Mais je doute qu'ils retiennent ses victimes au sous-sol. Et puis, c'est ce qu'on essaie de faire. Je veux voir s'il y a un lien avec Harris et Randy. Plutôt mince comme piste. C'est ce qu'on a de mieux pour l'instant. T'es sûr que tu suis les règles de la sécurité routière, là? T'as pas peur que Yawen suive les règles? Qu'elle te balance à ses supérieurs? On était amis. Je doute qu'elle fasse ça. Et puis je dis pas que je m'en servirai. Mais je sais quel squelette elle préférerait garder dans son placard. Ouais, les techniques de flic classique, ça. Tu crois qu'Yawen va vraiment nous aider? En y réfléchissant bien. Ouais, on s'engueule, mais ça finit toujours de la même façon. Je te raconterai ça un jour autour d'une bière. Ça marche. On trouve Randy, et après on descend quelques bouteilles. Avec plaisir. No homo, hein. Non, je le précise parce que je suis vachement sécure avec ma sexualité. Enfin, j'en parle comme ça, mais c'est comme ça, tu vois. Je veux dire, je me suis jamais posé la question. C'est important, je voulais... Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Et toi, t'y as pensé? Je suis sûr t'y as pensé. C'est bon, hein, la ville en cette période de l'année. J'ai pas souvent l'occasion de sortir avec quelqu'un.
Enfin, je veux dire, littéralement sortir de mon appartement. Oh mon Dieu! Oh, ça y est. Ça y est, ça y est. Par contre, je reconnais pas ce quartier. T'es sûr que tu m'emmènes chez ta sœur? Ta sœur, elle est célibataire. Ah oui, le père mort, oui, pardon, pardon. Si tu peux rouler plus vite, hein, y a personne à cette heure. Hein. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, on en est là. Ah. Non, mais écoute, je sais ce que tu vas faire. Hein. Tu peux t'arrêter là, hein, ce buisson a l'air confortable. Un parc à caravane. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Toi, tu veux tout. Tu mets tes boucles d'oreilles à l'oreille droite. Finalement, t'es plutôt direct comme garçon. Voilà, on y est. Je crois que t'es un enfant. Ça faisait un bail. Je venais ici tous les week-ends. Excusez-moi, ce petit boop de fin quand il se gare. Je crois que t'as heurté un enfant.